Eh bien salut tout le monde, c'est Mister Joe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur One Piece Treasure Cruise pour un nouvel épisode. Comme vous le voyez, il y a plein de mariés à l'écran, donc nous sommes dans les news. Et le Sugo Fest des mariés est enfin arrivé, de même que le donjon. Tout d'abord, alors, pour ceux qui voudraient des gemmes en bonus, sauvegarde tes données par SMS. Il faut un petit... ils font un petit event sur le jeu. Juste à sauvegarder ces données par SNS et vous recevez 5 gemmes d'ici le 22 août. Pour gratter 5 gemmes, ça vaut le coup. Je pense que je vais le faire. Je vous invite à faire de même. Ensuite, du 16 au 30 août, donc pendant 15 jours, vous avez Nami et Laura, opération de demande en mariage. J'ai réussi à tout drop. Je vous montrerai ça juste après. Les bouquins sont assez intéressants, il y a pas mal de Nami à choper, donc pour monter l'aspect des Nami c'est pas mal. Après, peut-être Kaku à la limite, et Kumadori, même si je l'utilise pas pas vraiment. En tout cas pas encore été utile. Et niveau Sugo Fest, donc on pourrait avoir Robin, Beauté et Jenny en 5 étoiles. Donc sans coup spécial augmente l'attaque et les RCV des personnages de classe intellectuelle pendant un tour. Intéressant. RCV plus attaque. Ça serait sympa de l'avoir, pourquoi j'aimerais bien l'avoir. Perona qui augmente l'attaque et les RCV de 1,75 pour les classes ambitieux. C'est que du boostage sauf Hancock qui restaure 5000 HP et améliore grandement les effets des cercles. Ah, c'est aussi les boosts. Ah, elle est limite mieux en fait. Boost l'effet des cercles pendant 2 tours et en plus soigne. Ouais. Ah, je suis peut-être plus pour Hancock là. Je sais pas, au pire si je peux avoir les 3, je vais pas cracher dessus. Donc au niveau des donjons actuels, il y a 3 donjons. Donc le Nami marié, le donjon de Calgary et Norland. Noland, mais il l'appelle. Mais il me semble que dans le manga c'est Norland. Dites-le moi dans les commentaires. Je veux pas dire de bêtises. Bon personnage à farm. Donc Calgara, bonne unité, strong, pour booster les unités libres. 1,3 pendant un tour. Ses stats 2400 HP, 1300 d'attaque et 90 RCV. Très bon personnage. Montez-le si vous le pouvez. Après vous avez donc Noland qui vous permet de booster les orbes de 1,5 pour 2 tours, ce qui est vraiment pas mal je trouve, donc je vais essayer aussi de l'avoir. J'ai pas encore fermé ce donjon là, il va falloir que je le fasse. Et enfin le donjon d'Alvida à farm absolument, c'est une unité indispensable dans le jeu qui vous réduit les dégâts de 80% sur un tour. Donc ensuite pour le donjon de Nami en jambes blanc là. Nami ravageur intellectuel de classe psy. Plutôt cool. Ça change des personnages intel qu'on chope avec Nami. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle inflige des dégâts psy à un ennemi de 15 fois l'attaque, donc c'est pas mal. Et pendant 3 tours, multiplie par 1,3 les dégâts infligés aux ennemis affectés par la défense réduite. Donc ça c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai cherché, j'ai réussi à monter un Sanji, donc en 15 tours il baisse la défense des ennemis pendant 2 tours, donc ça peut comboter, ça, franchement ça peut comboter. Et ensuite son Captain Ability, attaque RCV des personnages de classe intellectuelle x 1,5, sachant qu'elle peut évoluer et je ne sais plus, il me semble que ça monte un peu. Il me semble que ça monte à x2, mais je suis pas sûr. Ensuite, vous avez Laura, sabreur tenace. Alors, elle baisse la défense des ennemis pendant un tour. Attends. Réduit énormément toute défense ennemie, donc ça peut comboter avec l'ennemi. Pendant un tour et augmente l'effet des cercles de l'équipage, ok. Pourquoi pas. En 25 tours, c'est un peu beaucoup, mais bon, elle coûte pas trop cher. Voir si ça peut comboter, servir à quelque chose pour jouer. Captain Ability, attaque et RCV du personnage de classe tenace x 1,5, c'est mieux que rien. Et ensuite vous avez les petits chipmunks là, les frères Risky, change le cercle du personnage Dex
et permet de changer librement de cercle une fois. Voilà pour ce qui est des donjons. Je fais une petite voilà un petit topo sur tout. J'ai réussi à avoir Kuro. Bon, j'ai pas eu le temps de former tous les trucs de Usopp comme vous l'avez conseillé. Malheureusement, j'ai réussi à choper Quarp. Non pas sans mal, mais je l'ai. Pareil pour Heracles, j'ai farmé. Après, j'avais pas le temps de faire des trucs tuto, j'avais vraiment pas le temps. Peut-être une autre fois. Pareil pour Ivankov, j'ai réussi à la choper. J'ai évolué. Alors attendez, ouais, parce que j'ai fait pas mal de choses. Donc ce Sanji là, hein, réduit de moitié la défense pendant 2 tours. Je pense que je vais le garder comme ça. En 15 tours, ça peut être utile. On sait jamais, sachant que j'ai plusieurs Sanji en plus, donc ça n'en finit pas. Je sais pas si vous avez vu cette Nami là, changer cercle. Ouais, vous avez dû la voir. C'est l'autre. J'ai l'autre, celle qui annule les attaques intel pendant un tour. Franchement, essayez de la voir. Pas très compliqué, hein, c'est une Nami de base, sauf que là, l'évolution, c'est pas la même. Il faut regarder. J'ai réussi à choper le Luffy Gear Third. Enfin, le choper. À l'évoluer enfin, j'ai réussi à avoir ce foutu pingouin. Non pas sans mal, mais j'ai réussi à l'avoir. Il y a quoi là? Attends, on va faire partie parce que là je m'en sors pas. On va faire effectif. Et le Arlong, c'est pareil, je l'ai évolué. Cet Arlong là, donc j'essaierai de booster un peu plus, mais déjà l'évoluer c'est déjà pas mal. Et je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des choses, donc on va passer au petit Succo Fest. Ah, je me frotte les mains. J'ai réussi à faire mes 50 gemmes en rushant l'histoire, donc c'est plutôt pas mal. On va faire les 50 gemmes. Ah, ils ont viré la multi-invocation, dommage. J'ai besoin de nouveaux persos, donc on va sûrement tout faire. Allez, première invocation. Ok. Du Hermep. Je l'ai pas. De la défense de tous les ennemis à 0 pendant un tour. Attendez, je vais juste vérifier s'il peut évoluer. S'il évolue, ça va parce qu'il me semble qu'il y a des stacks corrects. Et voilà, cette Nami là, hein, que je vous disais. AEP. Non, il n'évolue pas, très bien. J'ai pas eu le bon Hermès. Hein. Allez. Recrutement suivant. Allez, allez, allez. Oh. Fuck. Très bien. Bon, bah, je l'avais déjà, je l'ai même évolué. C'est dingue la vitesse que partent les gemmes, c'est ça. Ah, une dorée, une petite dorée. Pas un truc pourri, s'il vous plaît. Ah bah voilà. Un coq. Parfait. Franchement, je suis heureux. Un tel. Donc, tireur libre. Avec le spécial maxé. Mais c'est trop bon, ça. 5000 HP, améliore grandement les effets de l'équipage pendant 2 tours. Ah, en plus, en 15 tours maxé, purée. Ah, je suis content. Je suis content, il coûte que 13. 4 étoiles. Que demander de plus? Allez, on essaye de choper les autres. Ok, une petite rare. Bon, Kaya. Est-ce que je l'avais déjà? J'avais pas, sérieux? Si, je l'ai, mais en évolué. Magnifique, ça fera des sockets. Allez. Ah, je suis déjà content d'avoir eu Mangok, mais je suis un petit peu gourmand, donc... Allez. Une dorée. On y croit tous. Squardo, bon personnage. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu, c'est un bon personnage. Malheureusement, j'aurais aimé avoir en 5 étoiles. Un personnage psy. Sabreur. Ah non, même pas. Rageur tenace. J'ai dit n'importe quoi. Réduit les HP de l'équipage de 30% et inflige des dégâts à une cible
unique qui améliore les effets des cercles sur l'équipage pendant un tour. On va dire que ça sert de finish. Et il me semble qu'il a de bonnes stats hein, de base. Ça fait deux rares, une dorée, c'est ça? Une dorée. Ça a été. Ah non, Kaya, please quoi. Please Kaya, je t'aime bien, mais abuse pas. Abuse pas. Et on va le donner à bouffer tout de suite parce que ça me saoule déjà de l'avoir dans mon inventaire. Hop. Il manquerait plus que son spécial montre. Et ça serait assez drôle. Personnage identique. Ok, auto-guaison. Ce qui lui convient parfaitement. Petite taverne, on y retourne. Il reste 4 invocations. Donc théoriquement, on a encore une rare. Voilà. Prochaine, ça devrait être une dorée s'ils font ça. Cosa. Bon personnage pour booster les sabreurs, sauf que je l'ai déjà. Allez. Faudrait que je fasse le cri de victoire quand même. Ah, rare. Ah, non. Je la sentais. Miss Golden Week. Purée, va te faire capturer. Hier que par ici. Deux invocations. Allez, je switch de menu, je sais pas, on sait jamais si ça change un truc. Allez. Une dorée. Chopper quick. Dégâts équivalents à cette fois les RCV du personnage sur tous les ennemis. Ça me fait un perso quick, hein. Ouais. Ouais. C'est un personnage que j'ai pas. C'est mieux que des Kaya. Que des Kaya à l'infini. Allez. Pas du tout. Ça n'a pas marché. Pas de frais d'affilée. Ah non. Donnez-moi autre chose. Aïe, on n'a plus de gemmes. Pourquoi ça part si vite les gemmes? Je suis tellement nul. Enfin nul. Dégoûté. Dégoûté. Mais enfin bon. Dans l'ensemble c'est un bon Sugo Fest. Bon Sugo Fest. Donc on a eu Squardo de nouveau. Squardo, Boa Hancock. Boa Hancock. Heureusement que j'ai eu au moins un personnage du Sugo Fest, donc je suis pas déçu. Pas déçu, Mister 3, ça fera un petit socket. Du Hermep. Pouf. Ouais. Peut-être un jour. Peut-être un jour il me servira. Je ne sais pas. Miss Golden, ok. Donc Cosa. Vous voyez, hein, je l'ai en évolué. Ça fera du socket. Du Chopper. Tiens, il y a un tandem. Ok. Sûrement avec Hysop, je pense. Pourquoi pas, ça me fait un personnage quick de plus. Ah, j'avais pas ça. Ah si, j'avais en évolué, attends, faut pas exagérer. Ça fera du socket. Ah. C'est vrai qu'il y a aussi Mr. Golden Week qui réduit la défense. Quand on parlait tout à l'heure de réduire la réduction de défense. Bon, attendez, on va rajouter dans l'équipe des mariés. Hancock. Hancock. Où tu... Voilà. On va se quitter sur la magnifique image de Hancock. Dommage qu'ils ont pas mis la petite voix, ça aurait été sympa, mais bon, enfin bon, on peut pas tout avoir. Sur ce les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Dites-moi si vous avez fait le Sugo Fest, ce que vous avez eu. Et je vous dis donc à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye bye tout le monde.